surprise, riez pas de mes boutons dans le visage puis de ma face de fatiguée. En fait, c'est parce que ben je travaille beaucoup ces temps-ci, beaucoup. Puis deuxième chose, c'est que je travaille aussi beaucoup sur ma chaîne pour justement pouvoir l'amener à un autre concept un peu plus élaboré. Non, je change pas le style de vidéo et tout, mais j'ai décidé de comme revoir, je dirais, ma bannière un petit peu. Et aussi, faire des espèces de catégories de vidéos. Parce que j'ai beaucoup de vidéos en réserve, mais que j'ai l'impression, des fois, j'ai jamais le même titre, Bref, j'ai élaboré un concept avec des images, des photos, avec les mêmes titres, bref, de quoi qui me ressemblait dans les tons neutres, quand même assez simples, mais aussi avec une petite touche genre de moi, qui me permettent justement d'identifier chaque type de vidéo. Premièrement, j'ai une intro maintenant pour mes vlogs. Deuxièmement, j'ai décidé de diviser mes vidéos en trois catégories. Donc, j'ai tout ce qui est le girl talk. Fait qu'on parle, par exemple, de vidéos de... Par exemple, sur des choses qui concernent un peu plus les femmes, comme le prochain qui s'en vient, ça va être une vidéo sur les règles chez les femmes. La deuxième catégorie sera la catégorie sit and talk, donc on s'assit et on jase. Cette catégorie-là permet justement de démystifier des sujets que j'ai envie de parler avec vous sur la vie, témoignages quelconques et tout. J'ai dit trois catégories, mais en fait, je pense qu'il va en avoir plus, parce que plus je pense à ça, mieux que... Je pense qu'il y en a plus. Bref, il va y avoir quatre catégories. C'est pas vrai pantoute, je pense même qu'il va en avoir six, mais pour l'instant, c'est cinq. La troisième, ça va être tout ce qui est tag, fait que les choses qui sont les tags, exemple, ce qu'il y a dans mon sac, tout ça. J'en ai un autre qui revient une fois par année pour la série Back to School, mais c'est pas vraiment... c'est une catégorie, mais ce n'est pas vraiment, puisqu'elle revient pas tout le temps, juste vraiment plus en automne, fin de l'été, début de l'automne. Et l'autre catégorie, c'est tout ce qui est comme... J'ai pas encore de titre exact, mais c'est tout ce qui est divers. On parle de haul, de première impression, bref, tout ça. Voilà, j'espère que vous allez sonner présence pour cette nouvelle structure-là. C'est pas des gros changements, mais je tenais quand même à vous le dire parce que, tu sais... Genre, allô, que j'ai complètement oublié la catégorie beauté parce que ça fait partie de ma chaîne aussi. Fait que pour la catégorie beauté, voici comme suit. Et je retourne à mon vidéo. C'est ça. La chaîne évolue comme moi. En passant, je suis pas tenue, j'ai une camisole. Jusque-là, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!